Douglas Boulongo Zekundu Mpasa. Douglas Zekundu Boulongo. Oh, c'est bien. Douglas Mwana Mboka, Tarizi Mingala. Yeah, Douglas Pachado da cérémonie et tu y allais and we're gonna be very brief na tutakuwa kifupi sana so that everything can take place in a good environment so tu kila kitu itembe kwa kisili tarishiwa dear ladies and gentlemen papa na ba mama distinguished guests ba invité bote countrymen and women wabwana na mabibi I would like you to stand up ningewa si tusimame so that we start with the prayer njo tuanze na prayer please let you stand up acha tusimame tafadhali you know everything must start with prayer unajua kila kitu inapaswa anza na maombi and we are here with the ministers of God na tuko hapa na watumishi wa Mungu and with the different authorities na cheo mbalimbali so whatever we can do we must start it with prayer na kila kitu tunapaswa fanya tunapaswa ianza na prayer so we are going to give the microphone to the man of God apostle Bisimwa tutapatia mikrofoni kumtumishi wa Mungu apostle Bisimwa from Rehoboth church ministry kutokea kwa Rehoboth church ministry lead us in the prayer Atuka tumpatie prayer. All you done for me. Would you let me take this time and say Baba katika jina la Yesu Kristo. Tumetoa shukrani kwako kwa ajili ya siku hii, kwa ajili ya sherehe hii. Tumeshukuru Bwana kutupatia viongozi, maana uongozi wote unatoka kwako. Wewe mwanzilishi wa sherehe hii, mwanzo hadi mwisho. Tumetangaza baraka yako hapa. Tumekemea shetani kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza zishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Nuru yako iangaze hapa. Asante Bwana, maana tayari uko pamoja nasi na sherehe yote itakuwa ya baraka sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you man of God. Asante mtumishi wa Mungu. Please be seated. Tafadhali unaweza kuketi. Tunashukuru Mungu sana. We are so grateful to God. Kwa sababu yeye ni mwema. Because he is faithful.
Na hakuna kitu kinaweza kufanyika bila mapenzi yake. And nothing can be done without his will. Na yote ikafanyika kwa jina la Mungu, yote ni mema. Na, and if everything is done by his name, and that is good. Hakuna kitu inatokaga kwa Mungu iko mbaya, yote ni mema. Nothing comes from God when it is bad, it always is good. Mtanihumia nitasema kidogo kwa français. You will excuse me, I will speak in French. Nous remercions toute l'assemblée ici présente. We are so thankful for all the assembly here. Toutes les délégations qui sont venues pour nous assister. All the delegations which came to assist us today. Comme frères africains. Like our brothers Africans. Toutes les délégations, nous disons merci et bienvenue. All the delegation, we are so grateful for you and you are most welcome. D'une manière spéciale. Et in a special way. Nous remercions et nous saluons la présence de l'Interaid ici. We welcome and we greet the presence of Inter-Aid among us. Parce que Inter-Aid, because Inter-Aid est considéré comme notre parent. It's like our parent. Inter-Aid connaît notre souffrance. Because Inter-Aid knows our sufferings. Et Inter-Aid nous revient toujours en aide. And always Inter-Aid always come to our rescue. Every nous saluons et nous disons merci de we greet you travail. And we so grateful and most welcome Inter-Aid. Nous saluons la présence des révérends hommes de Dieu qui sont ici avec nous. We greet and we welcome the presence of the men of God who are in this place. Soyez les bienvenus, les révérends, vos titres et qualités, nous les prenons en considération. You are most welcome, men of God, apostles and bishops. Nous saluons la présence des mamans qui sont ici. We welcome the presence of mamas who are here. Parce que rien ne peut se faire sans que la maman soit présente. Nothing can be done without the presence of mothers. C'est la maman qui donne naissance au monde. Et c'est they are mothers who give who give birth to the world. C'est elle qui nous donne à manger. They are the one who give us what to eat. Sa présence est très nécessaire ici. Her presence is so honored here. Ba mama bo pamolama. Mamas, you can wave. Nous saluons la présence des papas. We greet the presence of the fathers. Nous saluons la présence des jeunes. And we greet the presence of the youth. Et que Dieu puisse bénir tout le monde. And God may bless every one of us. Vraiment, ce jour. Really, this day. C'est une journée historique et mémorable. It's a historical day and pour la communauté congolaise. For the Congolese community in Uganda. Pourquoi c'est historique et mémorable? Why is it historical? Nous sommes en train de démontrer en face du monde. We are showing the whole world que nous sommes des gens, un peuple ordonné. That we are that kind of people who are organized. Et que nous sommes en mesure de nous organiser. And we are able to organize ourselves. Pour valoriser notre culture. To honor our culture. Et pour vivre dans l'unité. And to live in unity. Chers frères et sœurs. Dear brothers and sisters. Laissons nos différences à côté. Let us leave all our differences are aside. Le temps est révolu. Yeah, the time is going on. Nous devons maintenant voir comment bâtir notre communauté. We need to see how we can construct our community. Je vous demanderai actuellement. I will just request you right now. De considérer que je suis en train de déposer le pouvoir. I would like to announce to you that I'm leaving now the powers qui m'a été confié par confiance, the one which was given to me by confidence par l'excellence Monsieur le Président Douglas Bulongo Passa Kandolo, by Mr. President Douglas Bulongo Passa Kandolo. Ainsi donc, now. Tout ce qui était passé il y a deux semaines.
Whatever which has passed, there is 2 weeks ago now. Nous devons nous ranger derrière Douglas Bulongo. We need to arrange ourselves behind President Bulongo. Lui donner des conseils. To give him advices. Lui donner les moyens. Give him support. Et lui donner la possibilité de bien nous représenter et nous diriger. And to give him possibilities to guide us and to... Il est encore dans sa fleur d'âge. He's still in his flowering age. Il est encore jeune et encore vraiment jeune. He's still young and youth, really. Il a besoin de nos conseils. He's really in need of our advices. Et il a besoin de notre soutien. And he's in need of our support. Chers frères et sœurs, dear brothers and sisters, vous les hommes de Dieu qui priez jour pour nous, jour et nuit pour notre communauté, you servants of God who always pray for us day and night for our community, le moment est venu de lever ce jeune entre les mains de Dieu. This is the right time to lift this young man in the hand of the Lord. Le travail n'est pas facile. The work is not easy. Le travail n'est pas facile. The work is not really easy. Franchement, il pourrait être comparé comme Joseph. Really, he can be Joseph de la Bible. He can be assigned like Joseph of the Bible. Soutenez Douglas. Let us support Douglas. Il est président de nous tous. He's all of us as a president. Et nous devons l'accompagner dans sa lourde tâche et mission. And we need to support him in everything. Soyez tous les bienvenus et nous allons faire la fête ensemble. You are most welcome and we are going to enjoy together. Let God bless you. Yes. Thank you very much, Mathias Muharabu Bushire. Asante Papa Mathias Muharabu. For the very nice word of welcoming this assembly. If you feel it, you can also stand up and join me. Jambo kwa wote. Chers compatriotes. Dear compatriotes. Chers membres de la communauté des Congolais réfugiés en Uganda. Dear members of the Congolese community refugee in Uganda. Les distingués invités. Distinguished guests. Vous tous en vos titres et qualités respectifs. All of you in your titles and... Je vous présente encore une fois mes civilités en vous disant bonjour. I welcome you and as I'm greeting you, good afternoon. C'est un jour historique. It's a historical day. Que la communauté congolaise vient de marquer ici en Uganda. That the Congolese community refugee has marked in Uganda. Ça, c'est une très grande jurisprudence. It's a great day. C'est une très grande jurisprudence. Yeah, it's a great day for us. La première. And the first one. Et j'espère que ça servira de référence aux générations et générations futures. And I know that it will be a reference to generations. C'est la cérémonie d'investir. It's the ceremony of investigation. Les honorables et excellences. To honor the excellences. Selon vos décisions. According to your decisions. Vous avez voulu que ça soit ainsi. You wanted that it to be like this. Nous avons 3 personnes à investir pour la journée d'aujourd'hui. We have 3 people to investigate to title today. Nous investirons le vice-président du Conseil des Sages. We welcome the vice president for the
Edes Community, le président du conseil des sages, the president of the Edes Community, et enfin le président de la communauté, and that last the president of the community. Et avant de passer à la cérémonie d'investiture, and after to before we go to that ceremony, comme l'année d'habitude, like the usual thing. Nous passons d'abord à la lecture des procès-verbaux. Nous passons à la lecture des procès-verbaux. Yeah, we first read that whatever they are going to. The minutes. Yeah, the minutes. Il est écrit en ces termes. Communauté des réfugiés congolais en Ouganda. Commission juridique. Procès verbal d'investiture du président du conseil des sages de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda, CRCU numéro 001/CRCU/Commission juridique 2018/Kampala. L'an 2018, le 30e jour du mois d'août, vu le souci des membres de la communauté des réfugiés de rester unis et solidaires, vu les accords d'Zambia du 23 juin 2018 ayant posé les principes de la démocratie, bonne gouvernance et du respect des droits humains, vu la résolution 14 des accords précités, vu la lettre de notification de la décision plénière de la commission électorale indépendante numéro 04/CRCU/CI/2018 du 13 août 2018 ayant octroyé le numéro d'ordre aux deux candidats au poste du président du conseil des sages de notre communauté pour un suffrage universel direct prévu à Hall de Kampala en date du 20 août 2018. Vu l'action et interprétation des résolutions 12, 13 et 14 des accords de Zambia, selon la lettre mue par le candidat au poste du président du conseil des sages, M. Frédéric Biguru Kayabu, notre référence 03/FredKay/Kampala/2018. Vu la décision de la commission juridique au numéro NNF/F/CRCU/Commission juridique/Kampala/ 03/2018, réservé à la dite requête, ayant maintenu le principe du suffrage universel direct comme mode d'élection des présidents et de vice-présidents du Conseil des sages, à son 12e alinéa. Vu l'acte d'engagement des candidats aux élections pour les postes de président de la CRCU et de président du Conseil des sages, signé en date du 25 juillet 2018 par les quatre candidats, à savoir M. Douglas Boulongo Zekundu, M. Akiza Robert, M. Akilimaï Louis et M. Frédéric Biguru Kayab, respectivement candidats au poste de président de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda et président du conseil de sages. Vu le résultat obtenu par les deux candidats au suffrage universel direct tel que publié par la commission électorale indépendante à la satisfaction des candidats, entendu que les 10 résultats sont contenus dans les rapports de la commission électorale indépendante, Minute of the Plenary of the Electoral Commission, numéro 07/IEC/2018, for the elections of August 20th, 2018, vu la compétence de la commission juridique en la matière, par ces motifs, la commission juridique invite M. Akilimaï Louis de venir afin qu'il soit investi officiellement tel que vous l'avez voulu. Étant absent, ne sachant même pas le motif, n'ayant envoyé aucun message,
nous retenons qu'il est investi malgré son absence. Et nous en faisons acte. Vous pouvez applaudir. C'est votre volonté. Vous avez voulu qu'il soit président du Conseil des sages. Ceci veut dire que malgré qu'il soit absent, il reste et demeure président du Conseil des sages en date du 31 août 2018. Article 2. Nous invitons M. Frédéric Biguru Kayabu. Avant qu'il ne signe, je lui passe un micro. Mais avant qu'il n'ait un mot, je vous présente votre élu comme vice-président. Êtes-vous d'accord? Si vous êtes d'accord, levez les mains. Que les caméramans puissent voir que c'était votre décision. Je vous remercie. Monsieur Frédéric Biguru Kayabu est maintenu en date du 31 août 2019 à Kampala, Zambia, Kevina, comme étant le vice-président du Conseil des sages au sein de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda. Je lui passe la parole pour vous remercier et vous saluer, vous qui l'avez placé à de hautes fonctions. Yambo. Ndasema kwa Kiswahili. Ninawashukuru kwa kunivote. Yes. Nashukuru watu wote kwa kufanya ili exercise ya demokrasi. I'm so grateful and thankful for everyone to do that exercise of democracy. Demokrasi ni kitu kia kiko simple sana. Democracy is a simple thing. Kama watu wanapenda kukielewa. If people want to understand it. Ni kia nguvu kama wapendi kuelewa. It's so hard if people don't want to understand it. Na inabidi tuelewe kama kuko mtu mwenye ampatani mawazo. And we need to understand if there is someone you don't understand each other in your views. Haiko adui wako. He's not your enemy. Kila mtu kuna haki ya kuwaza kisa anapenda. Everyone has the right to think the way he want. Ya kuona kisa anapenda. To see the way he want. Na tunapashwa kuheshimia ili yote. And we need to respect all that. Na yote ni makuu ya Mungu. And all that is greatness of God. Kwa sababu ile diversity. Because all that diversity. Inaleta ukuu wa Mungu. It brings the greatness of God. And it is. And it's a. Article 19. The 19th article. Ya Declaration Universelle des Droits de l'Homme. That declare, which declare the human rights of Universal Declaration of Human Rights. Inasema kama kila mtu uko na haki, uko na liberté d'opinion d'expression. That everyone has the right to express himself. Na inaomba kila mtu aishi katika maisha yake kila siku. And I request everyone to live that in your daily life. Na nashukuru sana kwa viongozi wa community. So thankful for the leader of the community. Our partner. Our partners. Kama vile InterAid na wengine. Like InterAid and others. Na wengine wa ndugu wa kibizi wa community zingine wamefika hapa. And other refugee community leaders who have reached here today.
Kwa sababu, because katika kampeni yangu, in my campaign, nilikuwa na devise kusema pamoja tunaweza. I had the motto which used to say that together we can. Na pamoja tunaweza kufanya vitu vizuri kwa community. And together we can do something great in this community. Asante. Thank you so much. Makofi. Mambo ambayo imesemekana hapa. To come and say whatever has been said here. Ok, vous verrez gagner votre place. Mchapia makofi madogo, makofi mazuri. Clap for him. Clap. Lawyer Frederick has done a great work. Yeah, a lawyer Frederick anafanya kitu ya maana sana. Yes. À la deuxième lecture. Before we go to the second lecture, qui est l'objectif principal de ce jour, which is the main goal of today, nous invitons, we are going to invite, à l'honneur, with honor, Monsieur Douglas Bulongo Zekundu Mbasa. Douglas Bulongo Zekundu Mbasa. Je vous présente Monsieur Douglas Bulongo Zekundu Mbasa Kanolo. I would like to present you Mr. Douglas Bulongo Zekundu Mbasa Kanolo. Je passe directement à la lecture du procès verbal. Right now I'm going to read the minutes of the last meeting. Communauté de réfugiés congolais en Ouganda. Commission juridique. Procès verbal d'investiture du président de la communauté de réfugiés congolais en Ouganda. Au numéro CRCU, numéro 002, bar. Commission juridique, bar 2018, bar Kampala.
l'an 2018, le 30e jour du mois d'août, vu les soucis des membres de la communauté de réfugiés de rester unis et solidaires, vu les accords d'un Zambia du 23 juin 2018 ayant posé le principe de la démocratie, bonne gouvernance et du respect des droits humains. Vu la tenue des élections du président de la communauté de réfugiés congolais en Ouganda, CRC en sigle, à date du 20 août 2018, et les résultats tels que proclamés par la commission électorale indépendante, entendu que M. Douglas Boulongo Zekundu Mpassa a obtenu sur le suffrage exprimé 448 voix sur 548 voix sur un suffrage de 1103 votants sur les rapports de la commission électorale indépendante au numéro Minute of the Plenary of the Electoral Commission numéro 007/USC/2018 for the elections of August 20, 2018. Vu les résultats obtenus par les deux candidats au poste du président de la communauté de réfugiés congolais en Ouganda, CRC Uyansi, au suffrage universel direct tel que publié par la commission électorale indépendante. Vu le recours RF NUM 07/CE/MAN/808/URCC/2018 introduit par Congolese Community in Kampala en contestation des 10 résultats. Vu que les 10 recours étaient adressés à la commission électorale indépendante plutôt qu'à la commission juridique pourtant matériellement compétente pour y statuer. Entendu que la procédure de saisir la commission électorale indépendante violait purement et simplement l'acte d'engagement signé par tous les 4 candidats au suffrage universel direct en date du 25 juillet 2018 qui, à son dernier alinéa, stipule que nous, les 4 candidats au poste susindiqués, nous nous engageons en outre à introduire les recours en cas de contestation ou irrégularité auprès de la commission juridique dans les 12 heures qui suivent le scrutin. Entendu que les 10 recours étaient signés par des personnes n'ayant pas eu qualité et qu'en plus portaient l'entête d'une structure informelle au sein de notre communauté, CRCU en sigle, que la commission juridique était saisie par la commission électorale indépendante en violation de son acte ci-haut mentionné. Vu la forclusion de l'action car le recours était introduit hors délai, vu la décision de la commission juridique du 25 août 2018 déclarant l'irrécevabilité pure et simple du dit recours pour des raisons ci-évoquées, la commission juridique, par ses motifs, investit toutes affaires cessantes Monsieur Douglas Boulongo Zekundu Mpassa comme le président de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda et élu au suffrage universel direct. Article 2. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Ainsi, fait à Kampala, le 31 août 2018, par Maître Baïziré Sangara
président de la commission juridique. Ainsi, avant que notre président ne prête serment, before our president swearing, il lui est demandé de signer ce procès verbal. I would like him to sign the minutes below. Of the whole community, nous l'invitons maintenant à prêter le serment. We ask him for the oath. Élu président de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda. Je jure solennellement devant Dieu et la communauté, observer et de défendre la constitution et les règlements régissant la RCO. La paix, la solidarité et l'épanouissement d'un l'esprit du pays et par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. De remplir loyalement et en fidélité, en fidèle service du peuple, les autres fonctions qui me sont confiées. Merci beaucoup.
I will greet you as well firstly. Habari za mchana. How is your day? Sangorim. Malamu. Ni malamu bie. Aya, sante sana. Thank you so much. Jina langu. Hey, my name is? Ni John. John. Na njua sana voka. You know me as a lawyer. Kama bado sijasoma kitu kidogo director amenituma nayo. Before I read the small thing that the director sent me with, nitaomba mwenzi yangu mwenye anasimamia community. I will request my brother who is in charge of community to greet you na yeye aseme kitu kidogo. Awasalimu na aseme kitu kidogo. Asante. Thank you so much. Habari. Mzuri. Habari. Mzuri. Thank you so much. Asante sana. My name is Patrick Rwagawa. Jina langu ni Patrick. And I'm the community outreach officer. Na niko kwa community ya biro ya community. I want to thank you all of you. Mimi nawashukuru nyinyi wote for supporting the exercise of getting your leader. Ku support exercise ya demokrasi juu tujichagulie leader. Who has just gone through the exercise of swearing in officially as your leader. Mwenye ambaye tulivote officiellement kama vile leader wetu. Thank you very much, thank you for coming. Asante sana kwa kukuja na nawashukuru pia. Okay. Ingine mtani sameni tasoma kwani director aliwaandika vitu kidogo chini akasema ni viongee hapa. Yeah, you will excuse me because I will read because the director sent me to tell you these words and then I need to read them. First of all, ya kwanza, he has sent apologies. Ametuma msamaha wake. The reason we came a bit delayed. Raise ilituma tunachelewa. He knew he was coming himself to witness this. Alijua iko nakuja hapa yeye peke. But you know refugee issues, we work in emergencies. Unajua vitu ambavyo tunatumika nayo ya refugee. So he got a meeting that was urgent but then with OPM and UNHCR. Alipigiwa simu na kwenda ku meeting ya OPM na UNHCR. But he is here with us in spirit. Na iko pamoja nasi kiroho. And he knows what is going on here and he has na anajua kila kitu ambayo inapitikana hapa. So first of all he has congratulated the people that were successful to represent the leadership of Congolese refugees. Ya kwanza nashukuru na napiga asante kwa mtu ambaye alichaguliwa kukua leader wa ba refugee Congolais. Beginning with the president Mr. Douglas Bolongo. Kwanza na president Douglas Bolongo and Louis Akilimali. Na Louis Akilimali. And for all those that they will be working with. Na wale na ile ekipe yote ambayo watatumika nayo. He also said that on his own behalf and on behalf of InterAid. Na alisema kwa niaba yake na niaba ya InterAid yote. Is extremely happy and relieved that the Congolese have united and embraced dialogue and conflict resolution. Na anashukuru kuona kwamba wakongomani wataungana na wata jiunga pamoja kutafuta masolution juu ya probleme kidogo kidogo ambazo zinaweza kuwa. And he emphasized that dialogue should continue so that the community can come together as one. Na anasitizia kwa niaba ya kufanya dialogue ili community endelee wa trouver ma solution kwa ma probleme kidogo kidogo. He also appreciated that it was a landmark in the community of Congolese. Anashukuru sana kuona ilikuwa kitu ya maana sana. Have achieved self-management or community leadership. Gisi kuona community ya Bakongole ilijiunga pamoja na wakachichagulia leader mzuri. He said for those who participated in the election. Kwa wale ambao walipartisipe ma election. He said nobody lost. Alisema hakuna ambaye alishindwa. Because everybody participated in the major event which was an electoral process that was democratic. Kwa sababu kila mtu aliparticipe mwa ile exercice na ilikuwa exercice iko democratic. And he appealed for all the parties. Na alikuwa juu ya parti yote. Robert and Frederick. Robert and Frederick.
to come together and work with the Douglas and the team. Anawaomba wakuje nao wajiunge kwa hii timu ya Douglas watumike pamoja. Lastly, he said that Inter-Aid will plan. Alisema Inter-Aid itaplan, itapanga. Together with the leadership. Pamoja na uongozi. To ensure that refugees. Kuhakikisha kama wakimbizi. Get access to health. Wapate mwae ya sante. Protection. Ya protection. Counseling. Ya counseling. Such that these activities can be brought near to the people in the communities. And this will decongest the office where most people go and they are coming from far away. And for those who are even unable to leave their homes, seek services at offices. And he said this will be intensified through community outreach activities that will be organized through you to all the communities where Congolese refugees reside in Kampala. Na hii yote hii mashida mbalimbali itakuwa napata solution kwa community. So those were his words. Ile je likuwa maneno ya direktere wetu wa Inter-Aid. And he said office is open. Nalisema biro na funguliwa sana. For the leadership to always approach for any issues that they may present for. Kwa shida yote wala maoni yote ambayo uongozi inaweza kuletea Inter-Aid, milango iko wazi sana. So since I was sent in a representative capacity. Yeah, kama vile nilikuwa sema kama kinywa ya director wetu. I will not add anything that he did not send me to say. Sitaongeza kitu yoyote ambacho hakunituma niseme. All I can say on my behalf, I am also very happy. Kwa niaba yangu na mimi naweza sema tu niko na furaha sana. See that we have come successful with leadership from the exercise that took us a long time. Kwa hii exercise ambayo ilitukula muda mingi, lakini kwa mwisho tunapata solution. Amen. And we shall be very happy to see that there is peace. Na tutafurahi sana kuona kama amani ikikua. Tolerance. Na tolerance. And this can be through the several churches that have seen so many pastors around. Na hii inaweza kuwa kupitia makanisa tu niliona pastor mingi hapa. This is my appeal to you. Hii ni ombi langu kwenu. That you ensure that the community is one. Ya tufanye uwezo wote kuona community baki moja. Final as the lawyer and as the politician as well. Kwa mwisho kama vile lawyer na sasa vile politician. No one can be successful in this world if you don't keep your enemies closer. Hakuna anaweza kuwa vendeo mwa dunia kama utie enemy yako akwe karibu yako. That is what I am left with you. Ile ndio ninawaachia. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you very much kwa siku ya leo na saa kama hii, for today's event and for this wonderful time. Kwangu mimi ni muda mzuri sana sana sana. For me it is just a great moment kwa sababu nimetaka kumpatia president wetu Douglas Bulongo Mpasa Kandolo vyombo vya kazi yeye aliniachia kwa muda. Because I want to hand over whatever issues regarding the community. Ndio maana kwa heshima kubwa nitamwomba President Douglas uje kwa kisi atufanye representative. With honor, please President Douglas Lekundu Mlongo Pass Kandolo, welcome for the handover. Ningekuwa mimi ningekuwa teacher ningeweka muziki. Nitasoma proce verbal. I am going to read a mini. Nitasoma proce verbal ya remise refi. I am going to read the minutes of the handover. Bonjour. Procès verbal de la remise et reprise. Des minutes.
ce jour. Today, le 31 août 2018. 31st August 2018. Il est procédé à la remise reprise. It has been reset for the handover. Entre le président Douglas Bulongo. Between the president Douglas Bulongo Zekundu. Président en fonction de la communauté des réfugiés congolais en Uganda. The current president of the Congolese community in Uganda. Élu au suffrage universel direct le 20 août 2018. Who has been elected on 20 August 2018. D'une part. Otherwise. Et Monsieur Mathias Mwarabu Bushiri. And Mr. Mathias Mwarabu Bushiri. Datant président AI de la CRCU. Who has been assuming the responsibilities as the president of the CRCU. Les biens remis symboliquement sont. He is coming to hand over. Le cachet. The stamp. Le laptop. Laptop. Et les classeurs des dossiers importants. And the file and the book of files. Fait à Kampala. Done at Kampala. Le 31 août 2018. On 31st August 2018. Pour la remise. For the handover. Mathias Mwarabu. Mathias Mwarabu. Et pour la reprise. And for the taking of power. Le président Douglas Bulongo Zekundu Mpasa Kandolo. President Douglas Bulongo Zekundu Mpasa Kandolo. Je prends l'honneur de signer. I take honor to sign. Madaraka yuko kuna wengine unapomwacha